Ok les man! Wow. Alors je sais pas pourquoi on fait ça. Mais on fait ça. On va aller jouer à Chucksy. English, y'a pas du France? Ouais, English c'est bien. Ok. Full screen. Ah ok. Screen, il faut que je redémarre le jeu, ils disent. Quitte. Ok. Ouh, ça fait peur. Oh, je vais tout faire en 4, allez, on s'en bat les couilles. Ok. New game, je suppose. Écoutez. Ouh là là, soirée qui fait peur. Ouh, ouais, alors ça va peut-être pas durer toute la soirée si j'ai trop peur, mais oh putain. Et là, il faut que je trouve une autre pour l'hôpital. Ah putain, j'avance avec W. Hein? Attends, si je fais ça. Anglais. Voilà, oh enculé. Un peu sensible la souris quand même. Ouais, un peu sensible. 0,5. Ok, putain de merde. T'inquiète, tu vas gérer, c'est un faux jeu d'horreur. Il y a une arme, c'est vrai. Ouais, à partir du moment où j'ai une arme, j'ai moins peur. C'est vrai, c'est vrai. Un gold. Les monstres aiment les pièces d'or. Et le monde est couvert de pièces que nous avons accidentellement perdues. Ok. Ok. Move! Left trocker, turn à trocker, fire, right trigger button, aim, ok, running, LB, lightning, RB, ouais bah oui c'est super connard. QE side, left and right à roquer. F, flashlight T. Ah, flashlight T, ça m'intéresse. Run, W plus Shift, ok. 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 T. Ok, ça me plaît, ça me plaît, ça. Si je cours, je fais. Oh putain, ouais, là, il court super vite. Mais pas de lumière, si, j'ai de la lumière, j'ai de la lumière. J'ai un nouveau QQ. Ah ouais, t'as un nouveau QQ, allez! Putain mais quelle bande de beaux gosses ça twerk sévère hein, je te le dis. Hein. Allez c'est parti, on porte nos couilles, on y va. De toute façon ce jeu ça fait pas peur. Bonjour. Faut garder en tête que rien ne fait peur en fait. C'est hyper chelou par contre comme ambiance. On dirait Bodycam Sam, ton jeu préféré! Beau tuyau. Oh. Ça c'est juste pour être sûr les gars. Et chope le coin. Ta gueule, il m'a trop ma bah tu m'étonnes. Merde. Ok. Allez, on y va. Pour l'instant, on n'a pas peur, ça va, ça fait 2 minutes 30. Comment vous vous sentez, vous? Elle est bien cette ambiance. Ah, Sam joue à Bone Human. Sam, lundi, on change de serveur toujours, hein. On est d'accord. Hein. Qu'est-ce que c'est?
Ok, il y a beaucoup de personnes manquantes dans l'hôpital et la police a cherché pendant longtemps sans résultat. Ok, il semblerait qu'ils peuvent accueillir que les mecs, les psychiques, mes couilles là. Qu'il y ait que les chasseurs d'esprit en gros qui veulent bien les aider quoi. Que je voulais pas aller par là, tant bien. Oh putain, GG dans 55 minutes. Vas-y, j'arrête le live au bout de 54 minutes. Bonjour. Oh voilà, t'es qui? Voiture. Ah, c'est tout en fait, ça m'a juste. Bonjour madame. Ah ouais, ça a ouvert la porte. Tintin. Quoi, 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 qui? Ça tue des gens, ça? Ah, ça tue des gens! Pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était juste un truc. Ah, et je repars de là? Ah non. Ok, donc il semblerait que ce soit pas la violette. Ah, oh! Ah! Rouge, vert. Rouge? Ta mère, j'ai plus de balles! Mais comment ça? Ah ouais. Ok, j'adore ce jeu, il est vraiment génial. J'adore, j'adore, j'adore. Si vous aimez pas entendre les gens crier, baissez le son, hein. Vraiment les gars. Si je fais jaune et bleu. Jaune et bleu, ça fait vert. Waouh, t'as un beau cri, feuf. Je sais, je sais. Je sais. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. J'arrive. Salut Marie-Antoinette. T'as un beau décolleté, hein. Pardon. C'est pas le sujet du jeu. Je sais que t'es là, frère. C'est pas une bonne idée. Oh bah ouais. Ça c'est un vrai gris, exactement. De toute façon, dès que je commence à insulter les gens, ou ouais, si, quand j'ai peur, hein, je le reconnais, les gars. Ok, donc c'est pas le Magic Bouton, on s'est fait niquer comme des. Excusez-moi, je me serais pas fait enculer là. Qu'est-ce que tu veux toi? Mais t'as cru que j'avais peur de toi encore? Donc, les gars, on appuie pas sur le magic bouton. Ou alors faut. Parce que ça ressemble quand même à une porte, hein. Ou alors on tente d'appuyer sur le magic bouton et on court vite. Genre Ah, c'est rapide. Parce que sinon ça va être très simple, jeu de merde. Vas-y, viens, passe ta tête. Merci.
Sinon ça va être très simple, jeu de merde. Je vais retourner au début et je vais pas passer par cette porte. Peut-être que c'est tout simplement ça. Bah non, mais il y avait des coins. Tout va bien, on n'a pas peur. Alors ça c'est un jeu pour toi, comment mourir 500 fois avec 500 pièges en 60 000, c'est exactement ça. Ok, non mais de toute façon là on n'a pas peur, hein. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, je te dis. Ah ou alors attends. Oh, attends. Antoinette, t'as pas quelque chose à me dire? Bah, je suis désolé, la vérité. À toute, j'ai l'air que je dois aller m'occuper de mes loups. Vas-y, Sam! Bon, je suis bloqué là. Bon. Ça faisait peur par là-bas, Is. Là, il y a une merde comme ça, là, il y a une merde comme ça. Il y a des merdes comme ça partout. Makeno comprendo. Et si je fais ça? Cool. Oh putain, des balles. Ouh, attendez, il faut que je fume un peu, il faut que je... et la trappe par terre. Direct, tu réajustes à chaque fois. Que je réajuste. Ah oui, ouais, en gros, genre, tu sais, genre, comment dire? Tu vois, moi, je peux faire ça, tu vois. Genre, tu vois, ça tourne pas directement ma caméra, ça tourne ma caméra que quand j'arrive dans les angles, tu vois. C'est un peu les principes de ce qu'ils appellent bodycam, tu sais. En gros, c'est comme si t'avais une caméra, comme les Condé, en fait. Comme si t'avais une caméra de Condé. Attendez, je reviens. Oh putain, j'ai pas de briquet. Oh mais feuf, non mais feuf, non mais. Ah ouais, le mec qui commence son live, il a pas de briquet. Mais oh là là, mais putain, mais y'a encore des gens qui commencent des lives et qui ont pas de briquet. Putain, mais t'es un mec, t'as pas de cheveux? Non mais attends. Ok, c'est bon, j'ai un briquet là. Ah, tac. Et ouais, c'est pour ça. En vrai, j'ai vu ce jeu. Vraiment, GG, il m'a guiché. Mais j'ai vu quoi? J'ai vu un short sur YouTube, je crois. Et je me suis dit ça. C'est le genre de jeu de connard que j'ai envie de faire, tu vois. Il coûtait 7 € sur Steam, il fait 4 Go, je l'ai téléchargé, j'ai juste eu le temps de rouler, il était téléchargé. Après ça c'est pas vraiment une unité de mesure parce que Sam le temps qu'elle roule, je suis sûr que je peux télécharger GTA 6. Mais c'est pas le sujet. Bonjour. Il va y avoir un truc derrière. Tu vois, comme ça te donne cette impression de, tu sais, comme ça dans les angles et tout, tu peux faire comme les vrais Condés, tu vois. Oh là, oh là 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 là. Là, il y a trop de balles pour qu'il y ait personne. Je vous le dis direct. Ok, quelqu'un a entendu un bruit bizarre derrière la bibliothèque, est-ce que c'est hanté? Bah oui, bah c'est vrai, bah écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir. J'ai pas du tout envie d'aller voir là.
mieux que moi je suis con. Ah ah. En vrai, de ce que je vois, t'aimes bien, surtout avec toi, les bruits sont sympa. Ah ouais. Et salut les copains, et salut aussi, ça fait plaisir de te voir. Ce soir, on se détend sur le live de 50 Cent, hein. On n'est pas là pour se prendre le chou. Pourquoi lui, il a des pieds? Bon bah là, on le sait, on le sait, là, on le sait. Oh, on aurait dit moi, trop belle. Attends, tu fais voir, tu veux qu'on aille violer son cadavre? Oh pardon, excusez-moi, j'ai parlé tout fort. Ah bah ouais, une bonne michetour en plus, elle avait de l'or sur elle, hop. Ok, bon, là ça va faire peur. Lui, c'est un fils de pute, lui. Allez. Qui c'est le screamer maintenant? Petite pute, là. Non, 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 non. Non. Je vais encore te rec. Ah bah là vraiment, on sait, si t'as envie de faire des clips, fais-toi plaisir. N'hésitez pas, c'est GG qui a mis la musique du siècle. Bah oui, bah évidemment. On sait. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ok, j'avoue, le premier je m'y attendais, le deuxième plus ou moins, le troisième c'est des fils de pute en vrai, ça va, arrêtez, vous voulez quoi? Oh, un. Tu m'étonnes que les gens ils entendent des bruits. C'est quoi? Oh là, oh là. Ok, je ne répondrai pas à ce commentaire. Ça peut aussi être des bonnes sœurs, hein, en vrai. Parce qu'on parle du voile, on parle du voile, mais les bonnes sœurs, elles sont voilées, hein, donc ça gêne personne. Voilà, donc, ouais, à un moment, hein, voilà. Hein, ça va, hein. Ah, parce que bon. Hein, deux poids, deux mesures, ça commence à bien faire. Hein. Qu'est-ce que je fous avec ça? Ah, oh, ah, attends, j'ai peut-être une idée. Bah non. Et si je retourne ça, non, ça, ça m'avait fermé la porte. Genre, en fait, là, je suis venu ici juste pour me chier dessus et après, je repars. Ok. Là, il y a un truc sur les deux cas comptés. Ok, il faut que je trouve autre chose. C'est forcément par là. Mais maintenant, je peux fouiller de toute façon, vu que j'ai plus peur. Enfin, j'ai pas peur depuis le début, hein, on va pas se mentir, mais. Excusez-moi. Eh mais le bookshelf. Alors il faut, vas-y, j'ai tenté de retourner la valve. Je sais pas pourquoi cette valve m'attire. Alors autant le côté qui fait peur, j'aime beaucoup, hein. Autant les énigmes, pff, oh, et merde, hein, ça va, attends, je suis quoi, je suis énigmatique moi. Eh oui, behind the bookshelf, mais y'a rien behind the bookshelf, ma gueule. Mais t'es pas net, mais qui est pas net? T'es pas net, GG? Ça va pas? GG, t'es pas net? GG, niveau 140, putain, il va encore falloir que je recrée un truc pour les niveaux 150. Bon, y'a un truc ici, c'est sûr.
excusez-moi. On va être obligé de regarder sur l'internet. Non, ils ont dit derrière le bookshelf. Je peux aller behind the bookshelf s'il vous plaît? Comment pour sauter déjà, je sais plus. Oh, grosse. C'est pas le sujet. Putain, t'as, y a plus le bruit de peur. Tu l'avais fait, non? J'avais mis le bruit de peur, mais je crois que je l'ai supprimé pour mettre des nouveaux trucs. Je sais même pas si c'est pas lui qui est parti pour le bonjour à tata. Parce qu'au final, il me faisait plus peur ce bruit de peur. Les gars. La bibliothèque qu'ils ont dit. Putain de merde. Là vraiment je... Oh ta gueule. J'ai plus de balles. Non, le truc pour 150. Ah mais j'ai dû l'enlever pour rajouter tout ce qui est beauf et tout à tout moment. Le cara au feu, tout ça à tout moment. Ok, bah les gars, on va aller voir sur l'internet. Hein. Chuxi, Solus. Bah les couilles, nous on est là pour avoir peur. Hein. Vas-y, bah on va. Vas-y, vas-y. Ça on a déjà fait. Ça on a fait. Attends, comment... Quoi? Comment il est arrivé là, lui? Ah! Pour le level 150, t'as pris le sang de la veine. Non, je crois pas, hein, je crois que le sang de la veine, c'était le dernier. Hein. Le dernier que j'avais fait, quoi. Vas-y, 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 dépêche-toi, 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 allez, dépêche-toi. Ok, c'est super, et après tu fais quoi? Dépêche-toi! C'est une blague, c'est une blague, c'est... Attends, non mais... Non, 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 je suis désolé. C'est clairement une blague. Vous allez me dire que ça, genre je suis pas passé dessus quand je... Ouais, allez, allez, c'est bon. Oh putain. Ça, ça va se réveiller, ça, c'est sûr, on le sait. Mais le truc, c'est quand? Ok, je crie plus de toute la game. Je reste focus sa mère. J'ai pas crié. Mais tous tes mois, j'ai pas crié. Hein. Là, en toute logique, si je repars là. Par contre, j'ai plus qu'une balle. Je pense qu'il faut que j'arrête de les allumer en fait. Donc
Donc là lui il faut que je me le fasse avec une balle, c'est ça? Monsieur bonjour. C'est hyper sympa la chorale qu'il nous fait. L'élévateur est under repair. Ok, l'ascenseur est en réparation. Et si vous voulez aller à l'hôpital, tu peux aller la ventilation. Tu peux essayer la ventilation. Et tu devrais avoir les bons outils. J'ai mon chibre, c'est mon meilleur outil en vrai. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. La ventilation ici, ok, mais il me faut les bons outils. Ah, la ventilation ici. Ah, dis donc. Bah, tu viens plus au soir, là. Putain, j'ai tellement de sur sauter quand t'es concentré. T'as pas crié, mais ta tête. Ah, ouais. Là, je vais crier. Enfin, j'ai pas crié du coup, mais je sais que ça va faire crier. Après, ils mettent des balles tous les 2 mètres, évidemment que je vais crier. Il y a des balles, là il y a vraiment beaucoup trop de balles là. Intruder. Ok, donc a priori il y a une pièce cachée ici. Ouais mais ils vont faire ça pour que je me... Ils vont faire ça pour que je me concentre à le chercher. Ils vont envoyer des gens qui me courent dessus, je le sais, je les connais, c'est des fils de... Par contre les gars, à quel moment une boucherie dans un hôpital psychiatrique Alors évidemment il faut bien qu'ils se nourrissent, j'en suis conscient, mais comme Chuck, Chuck Norris. C'est un peu glauque quand même, hein. Si je peux me permettre. Hein. Pas crié. Bonjour. Je suis l'apprenti. À qui toi? Sur la pièce cachée, elle doit être par là. Bon. Et par contre la vie de ma mère, la clim, ferme ta gueule. La prochaine fois que tu fais un bip bip comme ça. Bah c'est des corps humains sûrement. Ah bah oui c'est vrai. Ça va, il meurt vite. Ouais, 6 balles. 6 balles pour que ceux qui sont pas tout rouges. Vous auriez pas vu une entrée de pièce secrète. En vrai, vous savez quoi? Gardez là la pièce secrète. J'ai pas besoin de ça. Voilà, non, c'est pas du tout secret ça.
Peut faire de niquer tes balles là, il m'aura juste assez pour non, non, on arrête. La la la. Si tu fais pas un cauchemar avec ça. Mon rêve, un gros toc 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 chez toi. Ah mais c'est mort. C'est mort. Là y a quelqu'un qui vient toc toc chez moi, je ne lui ouvre pas hein. Qu'il aille se faire enculer hein. Je sens que ça va arriver de derrière. Ça va arriver de devant. Je sais pas où ça m'est arrivé mais j'ai peur. J'ai plus de balles. Plus de balles. À deux doigts de prendre la voiture. Non GG, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça, GG, t'es quelqu'un de bien, t'es mon ami. Putain mais là j'ai toujours que 6 balles et Ah ouais non, 6 merde. Eux c'est vraiment les 100 ouais. Bon alors qu'est-ce qu'ils font les contorsionnistes en léopard là? La fille de ma mère. Vous faites pas peur les gars, qu'on soit bien d'accord. Juste que je trouve le nombre de balles pour vous tuer. J'ai un peu crié là par contre. Mais c'est parce que j'avais plus de balles. Combien il faut de balles? Et la deuxième, il est arrivé d'où? Bah peut-être... Non, GG, non. Non. Sinon je vais descendre, tu vas me redescendre avec mon fusil à pompe airsoft. Oh. Monsieur... Bonjour, mademoiselle, bien sûr, excusez-moi, je vous ai mes genres, ouais. La coca faisait peur à qui, elle? T'as cru que t'allais gagner le combat de regard ou quoi? T'as cru que j'allais m'enfuir? Bonjour... Toujours aussi accueillant. Vraiment, cet hôpital, c'est. Je me demande. C'était pas ouvert ça à la base. Tu fais pas des choses comme ça. Je vais économiser mes balles. Alors, il est dit que les weapons. Donc, il est dit, pardon, que les armes des. Psychiques investigateurs, putain, des enquêteurs paranormaux. Unusual, ça va à rien. Ah si, ne sont pas comme les autres. Elles ont toutes été ouvertes par un moine, comment dire, un lightning illuminé, mais and can deal with a terrible ordinaire. Ouais. Ok, et ça peut se battre contre des créatures que normalement les vraies armes ne peuvent pas tuer. Ok, ce truc n'est utilisable que par des investigateurs paranormaux du coup. Attends mais... Moi je voulais jouer de la colère, t'as quoi dessus? Putain mais on peut même plus danser tranquille. J'adore ces putains de jeux. C'est trop avec toi, t'as des bons réflexes en plus. Oh là t'es qui? Ouais, ça pour les réflexes, je suis bon. Mais par contre, j'ai peur parfois. Mais ouais, c'est bon, je m'en bats les couilles, j'ai le droit de crier. J'adore crier en plus. Mais j'essaie quand même de crier un minimum. Wow, c'est bon, il est passé en criant. Voilà, t'es qui? On va par là. Ça semble logique en fait. Je sais pas, ce que je croyais, madame. Madame, on garde son calme, madame. Donc on va aller par là, on a dit. Hein. Attends.
Ah, ok. Hein? Mais j'ai plus de balles, putain. Ouais bah voilà, hein, pour ceux qui veulent traduire, vous avez Google Trad, parce que là il y a énormément de mots que j'ai pas du tout envie de traduire. Ok, il y a des écritures bizarres sur le mur mais c'est bloqué. J'aimerais avoir un gun, bah alors ouais. Alors j'ai un gun, hein, mais... Ah oui, ok. Je suis censé faire quoi, tirer sur des chaises? No. Ok. Ça pue la merde, il va se passer une dinguerie là. Oh! Salut! Light! D'accord. Ok, donc là j'ai pas envie de tomber. Shadow! No! Ah, ah, oh, attends. J'ai tenté un truc, c'est peut-être très con, mais... Ouais, c'était très con. Je sais pas, je me dis Light Shadow... Ah, mais si, ça, j'ai le droit de l'ouvrir. Ok, attends, donc déjà, attends. Ok, on va récupérer les balles. On va aller tuer notre copain de tout à l'heure. Comment ça il meurt pas en 7 balles lui? Ça messieurs dames. Oh oui d'accord, on s'est foutu de ma gueule quoi. C'est drôle, c'est très drôle par contre de faire des pièces comme ça avec des... C'est très marrant, on va pas se mentir. J'aime le concept. Bon, alors. Attends. Shadow the brushstroke of our chip, its resilience upon the canvas of life. Ok. Capté. C'est la pire idée de ma vie, hein, bien évidemment, mais... Ok, c'est bon. Donc, ma technique de tout à l'heure était totalement valide. Hein. J'ai peur. Tu peux pas taper. Avec Olivier. Ah oh eh hey, je sais pas ce mon GG. Non, j'ai qu'une arme pour l'instant. Dans le pied de vie. Oh. C'est quoi c'est. Frère tes yeux on dirait des miches. Tu vas me sauter dessus hein. Tu vas me sauter dessus. Ah mais son regard il me suit. Ah la pute.
Ça vous dérangerait J'ai peur. Bah écoutez, oui, j'ai envie de dire. Ouais bah ouais, ok d'accord, bah le staff de l'hôpital connaît le code. Ah bah c'est super. Nique ta mère toi. Ça bébé, excuse-moi, franchement t'es belle gosse hein. Mais toi tu fais peur J'ai un truc à lui placer dessus à elle. C'est-à-dire que je vais devoir avancer en marche arrière à cause de l'autre connard qui me fait peur. Éteins la lumière, mais je peux pas éteindre la lumière, j'ai plus de mal léger. Oh ce chien. Non par contre vas-y. Par contre va te faire enculer tiens. Voilà, je te guette de gay loin. Pas encore arrivé nulle part. Voilà. Merci. Vas-y viens, moi je comme t'es. Je pense que j'ai un truc à placer. Ok, toi je peux pas te tuer, tu fais juste peur en fait. Oh. Ah bah, ah oui. Et tu regardes trop mal en plus sur la tête des web. Ah je crois que là c'est le câble électrique qui m'a tué tout à l'heure. Je suis pas persuadé de ça mais... Je l'aime pas. Ça sert à quoi le gold? Je crois qu'après il y a des shops GG pour acheter des balles et tout, je crois. Je suis pas sûr de ça, hein, mais je crois. Bonjour madame, je te rends ton bras. Ah bah ouais, merci. Attends, mais. Non, il était pas là depuis le début. 1, 2, 1, 3, 8. 1, 2, 1, 3, 8. Ta soeur. S'il te plaît, laisse-moi 1, 2, 1, 3, 8. Mais là, tu m'obliges à rentrer dans le. Je peux pas fermer derrière moi? Non. Si. Ça passe les portes de merde. Oh, waouh, waouh! Waouh, 66 gold, tu vois par exemple. Sur une phrase. Ok. Ok, donc. Oh putain. Non, arrête.
tape-moi ça, s'il te plaît, je t'intimide, voilà. Ok, ok. Bon bah là, on va arriver contre un boss, il semblerait. Si, je crois que j'ai... Voilà, ça te regarde de côté, t'as vu, comme ça. Et là, imagine, je me... Oh, non, 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 vas-y, j'arrête de me retourner. Alors, c'est lui. Donc lui, oh, mais c'est... Ouais, bah ça va, c'est pas un zombie, c'est un indien. Y'a rien de raciste là-dedans, je tiens à dire qu'ils font toujours comme ça quand ils disent merci les indiens. C'est... Y'a rien de... Bon. Tandis son point faible c'est la tête. Ah bah oui évidemment. Ouais, bah oui, bah allez. Mais il fait quoi lui? Après ça, ils m'ont filé au taquet de boulettes en vrai. Ah donc t'es comme ça en fait, vraiment t'as aucune limite dans ce que tu fais. Au pire d'abord on lui tire dans les jambes et après on lui encule la tête. Comme ça on le... ça le rend lent. Merde, oh merde, oh merde. C'était la bonne technique, c'était la bonne technique. C'est sa sœur, c'est elle. C'est bon, c'est, j'ai la technique, c'est bon. Je fais peur à personne ma gueule, hein, qu'on te le dise. Non parce que c'est bien mignon, hein, mais ça va. D'avoir les jambes. Mais suce tes... Enfin... Mange tes morts à un moment, non? Enfin, ça ferait peut-être plaisir du coup, mais... J'adore ce... J'adore. Il est où, il est où? Il est excellent ce personnage, mais là grave. En fait ils sont horribles parce qu'ils ont créé des trucs drôles mais en même temps ils sont horribles. J'ai envie de chialer. Moi j'ai même pas fini mon ouvrir. Et attends, une question me vient. Suis-je obligé de buter? On va tenter un truc. Ok, parce que même 7 balles pleines tête, il les prend pas quoi. J'espère qu'il fallait pas l'arme qui était posée quand même. Non, je pense pas, je pense pas. J'espère pas. Derrière moi, il est derrière moi, il est... Il... Il y a quel endroit, j'ai très peur. Bon écoute, s'il faut que j'utilise mes 100 balles sur toi frère, je vais utiliser mes 100 balles sur toi. Ah.
m'emmerde. Nique ta mère, c'est bon. Donc là je suis dans l'hôpital. Petit endroit sympathique. Enfin, un petit review, c'est un Airbnb. Ok. Ok, donc quand la nuit arrive, en gros l'hôpital XXX devrait être un symbole de paix et de guérison, mais pour autant c'est une place, enfin une, c'est un endroit rempli de mystère et de nihilis. Dès que la nuit est profonde, des séries d'événements bizarres ont été rapportés depuis l'hôpital. Ce qui fait que les gens ont froid. Il y a tout plein de rumeurs qui circulent sur le staff médical, sur les employés, mais le plus choquant, c'est la mystérieuse mort de l'infirmière. Effectivement, cette balle suffit pas. Ouais, on s'en rend compte, hein. Bon, alors, il est où le staff de l'hôpital là? Je vous le dis, vous allez pas me chier dans les bottes, hein. C'est quoi ça? Ça va ou quoi? Vous êtes gentil, vous? Je sais plus comment me situer dans ce jeu. Vraiment, c'est... enfin, je sais pas. C'est les copines. Bah ouais. Hey, c'est la copine à qui on a rendu son bras, je crois. Jamel Debbouze, on l'appelle dans le milieu. Ça, c'est un œuf. C'est pas une bonne idée d'éclater un œuf. On est tous d'accord. Hein. Alors c'est... ah oui, bah c'est l'œuf de l'esprit malin, on va dire. C'est énorme. Qui est nourri par l'esprit du vilain, absorbe les ressentiments du paradis et de la terre. Ça a donné vie à un extrêmement fort monstre de la terreur quand il va éclore. Causing life to be destroyed. Ok, donc dès qu'il va éclore, ça va enculer tout le monde. Moi je vous simplifie, hein, je fais les sous-titres en même temps. C'est les copines, c'est pas une copine. Kiki. En tout cas les copines elles régalent parce que maintenant mon pistolet il a 16 balles dans le chargeur. Bon, ça m'a coûté 15 gold cette histoire, mais là je peux aller par là. J'ai envie d'aller par là, je vais aller par là. Qui? Quoi? Pourquoi? Qui? Comment ça? Frère, j'aurais dû avoir peur mais je sais pas qui. Ok, bah j'ai pas peur. Bonjour, il y a quelqu'un qui travaille. Oh putain, mais ça aussi. Ok, vas-y, je vais aller là-dedans. La tête de homme, j'ai des frissons et tout carrément. Pas sympa ce que vous faites. Là, il y a une porte. Là, il n'y a pas de porte. On continue. On va monter les gars, on va monter, mais d'abord on finit le tour d'en bas. Ça fait un moment qu'ils ont pas essayé de me faire peur là. Oh, ah bah c'est l'œuf de ces morts. Toi t'es vivant toi.
Ouais, oh, bah ouais, bah non, parce que. Madame? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout le monde, enfin surtout toi. Ok. Alors, tu veux que je te couvre, frère? Non, bon, bah écoute, moi ça aurait été avec plaisir hein, si je prends le service. Du coup on a récupéré pour la porte là-bas donc on va monter après, une fois qu'on aura fouillé. Y'a un truc vert là. Ok. Bonjour. Vous me faites pas peur, je sais que vous êtes... Si ça fait peur un peu quand même. Et je sais qu'ils sont dans les conduits. Allez, faut que je tape ça en code du coup. Ah, ok. Mais c'est extrêmement simple, attends. 5778 plus 888. Ah ouais, c'est un peu chiant à faire quand même. Alors... Ça fait 6 et je retiens 1. Ça fait 15. Ça fait 16. Donc je retiens 1, 6, 6, 1. 7 et 8, 6. Bah évidemment, et c'est vrai, ça, ok. Ça fait 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et encore 6. Alors. Tragédie apparaissent, enfin ouais si, les tragédies apparaissent toujours dans les nuits les plus calmes. Quand la lumière dans les corridors est petite, est tamisée, est la seule occasion... Ah non, est seule l'occasionnel ticking and distant breathing me set together to create a suffocating atmosphere, ok, ça crée une atmosphère suffocatrice. Les infirmières qui sont supposées être les anges gardiens de l'hôpital tombent victimes de quelques forces obscures. One late night after another, chaque nuit après l'autre. Ça cause leur mort. Ah non, pardon. Leur cause de mort est confusante et bizarre. En plus des corps froids des décédés, il n'y a aucun indice. Comme si c'était une main invisible qui avait doucement pris leur vie. C'est le grand frère de Christopher, ce bâtard. Ouais, bah ouais, 6666. Ouais, ouais, ça va, Ikishi ou quoi? Aujourd'hui, on est dans un hôpital psychiatrique. On essaye d'aider un peu les collègues. Mais lui, je pense qu'il est en vie. Hein. Non, ok. Après, je t'aurais vraiment insulté, toi, si t'avais été en vie. Mais... Toi, t'es. Ok, ils sont en train de me filer des balles. Il y a la tête d'un mec que je connais. Ah ouais, d'accord. Ok, donc en fait, l'autre là, elle s'est passée pour une femme, mais si tu regardes dans les yeux, elle bouffe ton âme. Ah mais c'est pour... je pense que c'est pour ça que je suis pas mort. Elle a rien à manger chez moi. Ça, l'œil du diable. L'œuf, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc l'autre, en fait, il faut juste la contourner comme si elle était pas là, quoi. Ça me va. Ça me va, ça me va. Y'a pas une clé qui traînerait par ici pour ouvrir une porte?
Non. Ça crie plus. Non, je me suis habitué. C'est plus quand je me sens bloqué que je crie ou quand ils me surprennent, ces fils de pute. Mais là, en vrai, elle, on la voyait, tu vois. Ça, par exemple, c'était surprenant. T'as pas une clé à dépanner, toi? T'en auras plus l'intérêt, de toute façon. Non, bah vas-y, on se casse. On se casse. Il y a un mini draco dans le chat, mais ah bon. Bah, excusez-moi les esprits, hein, y a des choses plus importantes quand même. Ah bah ouais, voilà, on les reconnaît les dresseurs. Qui a l'ultra beau, il y va carrément pour son mini draco. Du coup, on a dit qu'il fallait qu'on aille à l'étage. Et là, il faudrait qu'on trouve. Qui fait ça? Qui es-tu? D'accord. Donc en fait faut trouver la clé hein. Qui fait ça? Toi t'es une sombre catin quand même hein. Tu respectes rien frère. Ah c'est ça, j'ai récupéré tout ce que j'ai récupéré déjà. Ouais mais vous cassez les couilles aussi. Ça va ou quoi l'FF? Je veux que les 151 premiers. Tu attestes la bêta de BO6? Bah non je l'ai pas du tout précommandé. Mais j'ai vu quelques extraits, ça a l'air sympa en vrai. Toi je suppose que tu l'as testé, est-ce que... Qu'est-ce que t'en dis? Fais-nous un petit review mon Ekichi. Attends mais j'aurais voulu je viens de choper la clé pour l'endroit où je suis. C'est l'enfant de Satan. N'hésite pas à m'appeler, je me suis à Kadomia ma gueule. Quand je dois se tue dessus déjà, ouais mais tu m'étonnes. T'as pas le Game Pass? Tu as joué à Black Ops 1 ou 2? J'ai joué ouais j'ai joué à Black Ops 1 et 2 je crois même hein. Même le 3 je crois si je dis pas de conneries. Bon là il y a une clé qu'on a raté les gars. Toi t'as... Mis à part ça t'as aucun intérêt toi? Je la verrais bien par là cette clé quand même. Mister Ganja, attention, en vrai Mister Ganja, je suis vraiment très content d'être tombé sur lui. Parce que c'est un bon gars. Il est gay et chaud, il est pas comme, comme les autres gens gay et chaud, hyper imbu de lui-même. En vrai c'est vraiment un bon gars. Ça a été la petite pépite, tu vois. C'est pour ça que c'est bien les raids. Grâce aux raids on a découvert Demonia Kill, on a découvert Mister Ganja, je crois que... Skull, je sais même pas si c'était pas un Red Skull aussi. On a découvert tout plein de gens grâce au Red, c'est génial. Tu
Tu as accès à la bêta grâce au Game Pass jusqu'à mardi. Oh, la map du 1, vraiment, je kiffe. Summit et Firing Range. Oh, oh. Oh, j'ai le Game Pass, ouais. Bon, Oh putain, est-ce que ça va être le deuxième moment où on a besoin de l'internet? Parce que moi je vais vous offrir du contenu qualitatif quand même, tu vois, genre. Enfin, qualitatif. Qu'on se fasse pas chier à chercher des trucs tout pourris alors qu'on est déjà passé trois fois devant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est les meilleurs avec Nuketown. Nuketown, évidemment, trop. Par contre, il n'y a pas d'accès aux zombies, c'est dommage. Ah ouais, donc en gros, tu peux tester quoi? Le Warzone et le multi? Et du coup, le sprint omnidirectionnel, qu'est-ce que t'en penses, mon Eki? Au niveau des mouvements, c'est vraiment oufissime ou. Bon, vas-y, attendez, je vais aller voir l'internet. Hein. Vous m'en voulez pas, les gars, de toute façon, vous m'aimez. Quoi que je fasse, vous m'aimez, je le sais. Je suis déjà passé ici. Déjà passé ici. Oh oh oh. Mais lui, ce chien, il a réussi à choper le pompe par contre. Hein. Ok, donc là il est là, et au passage 2, on va mettre vitesse de lecture x2. Bla bla bla, voilà, là il se tape la petite fille, enfin il se tape la petite fille. Ok, ça marche. Là il y a un truc que j'avais pas saisi alors. Avec les bonnes armes, Famas Galil Commando. Allez! Ta mère, toi. T'es en train de mourir là, ouais. Cool. Bon, en fait, là c'est Pâques, on chasse les œufs là. Attends, mais on pouvait pas passer ici avant, si? Non? Si? Non? Après, en vrai, je m'en branle. On a pas besoin d'un pompe. On est meilleur que ça, hein. On va pas se mentir. Quoi, un pompe? C'est pour les fillettes, quoi. C'est la mère à Bolo qui pompe, c'est pas Fafty. Enfin bon, je sais pas. Franchement, c'est le début pour l'instant. Ça va, y a pas des trucs de ouf. Mais je pense que dans 3 ou 4 mois, il y aura une fissure entre ceux qui se déplacent, sautent, glissent, plongent et ceux qui casu. Ça va être moche. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi je vais faire partie des gens fissurés qui plongent pas, quoi. Enfin quoique si, en vrai, dans l'idée, après ça va venir vite. Hein. On va se mettre comme ça au cas où la daronne elle arrive. Je sais que tu vas arriver, ma gueule. Ah bah voilà la clé. Attendez, 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 mais la soirée déguisée, à un moment ça va, non? Ah ouais. En fait, ils sont en after party, et c'est pas moi le dealer, les gars. Salut. Fraîche, madame. Avec tout le respect que je te dois, bien évidemment. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Alors, la crying woman 2, elle téléporte sur sa proie
Ok, donc là je vais tomber sur une deuxième femme qui crie. Faut que je détruise son cadavre, parce que dans tous les cas, si je la regarde dans les yeux, elle va m'enculer. Ça marche. Ah mais c'est pas l'autre... non. L'autre mes couilles qui me fixait du regard là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a un truc qui est en train de bouffer un truc? Ok, c'est bon, c'est devenu un jeu de shoot, les gars. Il me faut la clé du passage 3. Ok. Mais franchement, j'aime bien ce jeu. Je passe un moment. Enfin, alors, non. Je passe un moment. Je passe un moment. Là, ça fait peur. Ça vraiment, ça ma mère. Ça va me tomber dessus là, il va m'arriver une couille là, c'est sûr. Porte qui se ferme, des gens qui tombent, un zombie caché. Porte qui se ferme, la petite fille. Ah mais elle fait chier elle. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4. Il faut vraiment que je fasse ça? Ou 1 plus 2 plus 3? 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 100, 106 plus 99, 205? On le tente comme ça? Ah non. Et il faut vraiment faire ça là? Par contre, il faut qu'on parle de ton addiction au crack, Kimberley. Je pense que il faut que t'arrêtes de traîner avec ton groupe de potes parce que voilà, enfin, alors oui, faire du pipeau toute la journée, ça peut être sympa, mais enfin, tu vois bien quoi. Ton bec de. Ah putain, on peut même plus bully Kimberley tranquille. Bon, Kimberley, viens. Faut qu'on ait cette discussion. Je peux pas continuer à te droguer sans cesse. Y'a rien d'écrit nulle part en plus. Là. Bah non. Vas-y Kimberley, sors ton problème. Il doit y avoir un autre indice quelque part. Là en fait ils veulent que tu cherches. Ou que tu parles à Kimberley, tu vois. Et comme ça, après, il y a sa pote qui arrive. Mais je peux même faire des petits trucs comme ça. It's the police! Kimberley, appelle ta soeur. Appelle ta soeur, Kimberley. Ah sinon il va falloir que je fasse ça mais ça va être extrêmement long. Attendez mais j'ai une idée. Cinquante-cinquante. T'es vraiment nul à l'école, Kimberley. Hein.
putain. On lui paye une école privée et tout. Mais qui es-tu? Par contre, stylé, mais qui es-tu en fait, vraiment? On vient pas rire dans l'oreille des gens comme ça, sans s'annoncer avant, quoi. Ça me semble être des règles de bienséance, mais on n'a pas tous les mêmes. Oh putain. On va recroiser les copines. On va recroiser les copines, les gars. On va recroiser les copines. La 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 la. Moi j'arrive de... Et celui qui fait ça dans le plafond, juste ta mère. Voilà, c'est bon. Ok, on va les fouiller par là. The police! Ok, il faut retrouver tous ses membres. Frère. Try to cover up the incident. Attributed symptom naturel death or accident. Donc, bien évidemment, les autorités de l'hôpital ont essayé de cacher ces incidents en faisant passer ça comme des morts naturelles ou des accidents. Mais les rumeurs se propagent aussi vite qu'un feu de bois. Ouais, en gros, ils paniquent tous maintenant dès qu'il fait nuit parce qu'ils ont tous peur. Familiar wire de bus de safety. Ouais, les familiers ont peur pour leurs êtres chers. Et les patients ont ajouté une nouvelle peur. Ont ajouté, ouais, la peur de l'inconnu à leur. Illness, à leur maladie. Bon, alors, Barbara, qu'est-ce qui te manque? Barbara, il te manque une jambe et un bras. Ok, bah, on y va, Barbara, on va te trouver ça. T'inquiète poulette, on est avec toi. Oh. La regarde pas, la regarde pas, la regarde pas. Ok, donc on va descendre les marches après, une fois qu'on aura tout fouillé. Et on a tout fouillé. Qu'est-ce que c'est ça? Pas tout fouillé pour l'instant. Ah, oh, j'ai retrouvé la... Oh bah non, bah putain, mais... J'ai peur. Mais Barbara! Mais Barbara, je croyais qu'on était potes. Je suis en train de réunir les parties de ton corps carrément, tu m'agresses? Putain, mais en fait, c'est ça le problème des gens, c'est qu'il n'y a plus aucun respect pour personne. Jésus, c'est quoi ce jeu? Alors, si je te présente Chuxi. Ah bah oui, ça s'appelle Chuxi d'ailleurs. Et c'est horrible. C'est horrible mais ça m'amuse. Ok Barbara, il te manque tout le côté droit maintenant. Ça marche, bouge pas, bouge pas. On peut pas lui voler à elle? Non, bon. J'arrive Barbara, tu bouges pas hein. Mais bordel, ouais non mais Ah ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire ainsi. Et en gros, je suis dans un hôpital psychiatrique et je crois qu'il faut que je résolve une enquête. Pour l'instant, je suis plus en train de me chier dessus à chaque instant qu'autre chose, mais là, ça va encore arriver de nulle part. On le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, la porte va s'ouvrir, ça va faire peur, attention. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ok, ça fait pas si peur, ça va. Oh, t'as du gold. Oh, 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 oh.
Ah bah si, je suis allé en bas pour éclater un œuf, ok. Bah on a tout fouillé là, non? Bah non, là y'a des balles. Vas-y, bah continuons notre exploration, j'ai peur. Ok. Ça va, ma petite scie? Qu'est-ce que tu racontes de beau, ma petite scie d'amour? Au moment où je fais jouer le son, tu regardes le chat. C'est excellent, surtout avec Feuf. C'est bon, tu connais le jeu, c'est plié. En vrai, c'est du Call of Zombies. C'est un peu du Call of Zombies. Et ça fait quand même peur, hein, on va pas se mentir, mais ça va. De toute façon, c'est le temps que je m'habitue en vrai. Puis vous savez, la peur, les gars, c'est uniquement dans votre tête. Mike Horn, il a dit. Korn il a dit faut pas se... Tu vois si tu as peur de le serpent, et eh ben c'est le serpent qui vient te piquer et il te tue. Mais si tu crains pas le serpent et que tu connais le serpent et ce qu'il peut te faire, tu peux savoir comment te défendre. C'était pas si long comme phrase ce qu'il a dit je pense, mais c'était peu de choses près ça. Oh la mais fort. Ah. Ah oui là bonjour. Ah non, il a bugué. Fatale erreur. Ah ouais, il a bugué, ouais. Eh ben. Tu devrais couper les lumières chez toi. Ah, ça va, la crieuse de Seven Day là. Oui, là, ça a coupé. J'ai un plan de terre. Ouais, ça a un plan de terre. Ouais. Alors là, du coup, les gars, on va savoir si on continue ce jeu ou pas. Parce que j'ai vu qu'on pouvait sauvegarder, mais moi, j'ai sauvegardé à absolument aucun endroit. Donc, à quel endroit ils vont nous ramener? Ah bah on a fait stuff là. Ouais, ça va, ok. Ok, ça va. Ok, bah vraiment j'aime ce jeu. Hein. J'aime les bugs qui font que je peux récupérer les balles alors que je les ai pas récupérées aussi. Voilà, c'est acté les gars, je vous l'ai dit, j'aime ce jeu. Je prends du plaisir. Je m'amuse quoi, j'ai du fun. Oh, Esti. Esti, je l'avais pas vu tout à l'heure, Corlys. Quand on s'habille avec des napros, on fait pas peur aux gens. Putain. T'as un acte de Kalish et Jump. Alors à qui le dis-tu hein? On fait pas non plus peur aux gens quand on est habillé d'un sac poubelle. Putain mais c'est quoi? Mais oh c'est la Fashion Week ou quoi là? Allez me faire enculer. Mais grosse pute, mais. Mais toi t'es. Cette chienne, je l'aide à faire ses contrôles de. Non mais moi j'en ai marre. Moi j'aide tout le monde. J'ai cherché les membres de Barbara, elle m'attend à la sortie d'une pièce. J'aide l'autre pute à faire ses contrôles de maths, elle fait quoi? Elle m'attend à une fenêtre. Mais allez vous faire enculer, c'est bon. Pour la peine, vous savez quoi? J'éteins la clim. Alors là c'était prévisible. C'était prévisible de quoi la meuf à la fenêtre? Non arrête, arrête si. Ça va tu peux encaisser des coups. Ouais ça va. Bah ça dépend lesquels parce que si tu regardes celui de tout à l'heure, notre boxeur favori là, lui on pouvait pas. Hein. Ah on peut aussi faire le mode sans arme si on veut. Sans arme, sans lumière, non. Non. Hein? On est con mais on n'est pas con à ce point non plus les gars. Oui la meuf à la fenêtre c'est prévisible. Bah j'ai eu peur. Eh putain j'ai kiffé des clips. N'hésitez pas à faire des clips hein, vraiment. Les moments qui vous font rire, les moments qui vous font peur. Vraiment faites-vous plaisir les gars parce que ça régale. Et c'est vraiment plus sympa les clips que vous avez fait quand je les mets sur YouTube que les clips que moi je fais quand je les mets sur YouTube. Oui d'accord il y a des têtes qui vont tomber voilà. Putain c'est Barbara, je le savais putain. Ah
Allez, on va ramener les parties du corps à l'autre grognasse. C'est où déjà qu'elle est La regarde pas, la regarde pas, la regarde pas, ne la regarde pas, ne la regarde pas, tu l'as regardé. Regardez. Je suis encore MDR de ton coup. Quel beau clip. Putain, bon, on va chercher la tête à Barbara. Je suis excité, Zo, hein. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Hop, vas-y, viens. Vas-y, viens, vas-y, viens, vas-y, viens, viens. Viens. Et viens. Viens, grosse pute que tu es. Toi, t'as pris le chargeur entier. T'as besoin que de 7 balles, je prends pas les couilles. Y'a un truc où je peux voir mon inventaire? Non. Alors, donc la tête, elle était dans l'urinoir et la jambe, on l'a trouvée sur la fenêtre là-bas. Je pense pas que ça ait compté. Ah c'est pareil, on va se taper la Fashion Week ici, non? Non, c'est quoi ici? Il va être dingue là. Non? Ok. Ah ouais, là il y a un bras du coup. Et là on se tape la Fashion Week. Pas peur de vous les gars. Et on accueille maintenant Kimberly avec sa robe de velours noir et son petit rire très agréable. Elle a la tête à couper là un peu. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'ai des deux de Fontenay. Ah ouais. Oh t'es belle. Oh là là. Épouse-moi Brianna. Merde, j'ai mis un shoot dans la pièce, je la vois plus. Allez, vous pouvez reculer. Bon. J'ai mythique mon truc. Ça peut être un TikTok sur les gens mal habillés avec ta voix derrière. Avec ta voix derrière. C'est de l'art ça. J'ai plus peur de toi. Voilà du coup qu'est-ce qui nous a tué tout à l'heure? Ah l'autre connasse qu'il faut pas regarder. Par contre, je suis incapable de retrouver à quel endroit vit Kimberly, ça me fait chier. Ah si! Ah putain, et en. Oh. Ah bah voilà! Kimberly! Et qu'est-ce que. Ah! Ok, donc maintenant faut que j'aille à la salle des X-Rays. Magnifique le clip! Ok. Merci les gars, putain. Heureusement que j'ai des gens comme vous avec moi. Alors, c'est à quel endroit tout à l'heure qu'on a trouvé toutes les portes closes? Ça doit être là. Et nous, on a la porte pour les X-ray. J'avoue, je suis un peu perdu là. Control room. Non, ok, donc control room. Ça, c'est l'infirmerie. Là, c'est de là où j'arrive. On est d'accord, hein. Je vais vérifier quand même, mais. Voilà. Regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, je t'en supplie, ne regarde pas, ne regarde pas. Tu peux lancer direct sur TikTok, Discord. c'était où cette salle des X-Rays? Y'a des balles déjà? C'était pas par là, hein, on est d'accord, hein, c'était après, je crois. Ah ouais. Ah bah non, ça indique pas de X-ray là. Les salles d'accouchement et tout. Je cherche la salle pour les rayons X quoi.
Putain, personne se rappelle les gars. Je pense que ça devait être... Je vais repartir de par là où j'arrive. Cette petite fumée rouge aussi, ça m'inspire rien de bon. Comment on peut... J'ai déjà ramené son bras droit. J'ai un deuxième bras droit si elle veut. C'est un monsieur patate en fait, Barbara. Ok les gars, stop. Pose fumette. Écoutez, on va faire marche arrière, on s'en bat les couilles. Tu veux un autre bras droit peut-être, cousine? Non. Bon. Bah, je le garde pour plus tard. Et si jamais tu en veux pas, je te le mettrai dans le cul. Hop là, tic tic tic. Dans le gros fiac à la Barbara, je te le dis. Attends, c'était fermé ça de base, non? Ah non, c'était la Fashion Week. Putain, je suis perdu les man. Faut juste que je retourne à l'endroit où j'étais. Là par là c'est la salle où il y a toutes les têtes. Ta sœur. Ah. C'est pour ça je me dis attends. Attends, c'est moi qui je me suis j'ai mangé à ta sœur pour rien. Après. Regarde pas, la tête de moi, regarde pas, je regarde pas, je te vois pas. Ouais. Ah non mais on va encore tomber sur votre connasse qui... Oh putain. Ouais mais toi, j'ai vraiment plus envie de t'aider qui me brûlait hein. Appelle Acadomia et casse pas les couilles. Ouais ça devait être... Je sais pas les gars vraiment. C'est de quel endroit que je suis arrivé putain. Ah bah oh. Oh bah. Oh voilà j'ai trouvé la pièce. Oh voilà. Voilà j'ai trouvé la clé pour l'autre porte. Il y a des gonzes qui vont arriver. Oui alors ils m'attendent là mais il y a quelque chose. Oh enculé c'est quoi ça. Ouais, attends, on va faire un truc malin, on va se mettre là comme ça, personne peut nous arriver de derrière. Bonjour, vous venez pour le scanner? Ah bah vous, je peux même vous le faire la bougie, hein, épée comme Flopty mon gars. Là j'avoue les gars, hein, j'avoue parce que vous savez que moi j'ai toujours été honnête avec vous. J'ai eu peur de mon gun. Du coup bah écoute on va fouiller toutes les pièces qui sont fermées. Ouah enculé, ok donc là. Ok. Non parce que moi on me la fait pas hein. Attends. Non mais Brigitte elle va se réveiller je suis sûr. Écoutez j'ai un problème au niveau articulaire des poignets, ça devrait pas se plier dans ce sens là. La patiente est âgée d'entre 25 et 2000 ans. Oh je peux la destroy, bah vas-y bah évidemment. Tiens chien. Ah mais oh. 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 Ça c'est quoi sa question de maths? Sa question de maths c'était 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus tout ça jusqu'à 100. Et l'autre c'était un truc qui donnait 6. Des fois tu peux améliorer etc. Exactement. Et donc là les gars du coup on va plus taper la madame qu'il faut pas regarder parce qu'on a réussi à trouver son cadavre et à le détruire. Et c'était la règle.
Ok, donc ça on l'a fait, ça on l'a fait. Ok, donc ça c'est très bien. Continuons vers le truc qui nous demande passage 3, mes couilles. Là-bas, je crois. C'est là-bas. Ça, mon problème. J'ai du sens de l'orientation, mais pas quand je suis en train de me chier dessus, en fait, tout simplement. Hein. Excusez-moi, I poop on myself, I can't have the sense of orientation. Oui, parce qu'ici on est sur un stream bilingue. J'ai pas peur de le dire. Pas peur du tout. Quelqu'un se rappelle Oh, y'a un gold là. Oh, y'a un gold là. Pardon. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du gold. Putain, bah alors vous allez jamais me croire, les gars, mais il semblerait que je me sois encore perdu. Là, c'est là où l'autre grenier ça nous a fait peur tout à l'heure. Rien. C'était une double porte, il y avait marqué. C'est quoi le but du jeu? Bah, c'est ça, résoudre les énigmes, tout ça. Résoudre les énigmes et survivre. Mais il est pas très long aussi, hein. Je crois qu'il y a des. Il y a des gonzes qui l'ont fini en une heure, je crois. Quand vraiment tu le connais, ça va vite. Hein. Quelqu'un se rappelle à quel endroit on devait foutre la clé, tu vois, par exemple, quand t'as de la mémoire, pas comme moi. Je pense que c'est résoudre les énigmes et sortir de l'hôpital. Je sais pas trop. Je sais pas, tu sais quoi, si on va inventer un but nous-mêmes. Le but c'est de prendre du kiff, de retrouver les membres de Barbara. Et de prendre du kiff. Ça va Barbara? Toi t'es vraiment le sang de la veine. A chaque fois tu me donnes des trucs, c'est hyper gentil et tout. Ah, oh, là ça clignote. Ça clignote, c'est un bon signe. Ça c'est le dead body. Ah c'est là, oh, c'est là. Oh putain c'est là. Oh putain c'est là. Ok. Bonjour. Ok, donc là je suis passé de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Non. Ok. Putain, la bave en cas, il va y avoir des vrais cachés dans les fours. Non, mais regarde-toi dans quel état tu te mets là! Engueuler mon neveu, tu sais. Alors, par contre, qu'on soit bien tous d'accord, j'ai jamais de ma vie engueulé mon neveu. Je lui ai déjà dit c'est pas bien, mais je lui ai jamais crié dessus et je lui crierai jamais dessus. Sauf si un jour il se met en danger. C'est pas le sujet. Criez pas sur vos gosses, les gars. C'est pas forcément utile. Et tapez pas vos gosses, c'est pas utile. Après, je dis ça, j'ai pas de gosses, mais si vous voulez pas que votre gosse il finisse comme moi, tapez pas sur vos gosses, les gars. Avec Molo, c'est 0. Ah non, mais gros. Et surtout que Molo, il aime pas les jeux d'horreur. Genre, il aime pas. Donc, alors, un jeu comme ça. Parce que déjà, Phasmo, Molo, il est pas rassuré, tu vois. Là, tu le mets dans un truc comme ça. Ça, on va le garder. Je vais pas le supprimer de mes jeux. Je vais pas le supprimer de mes jeux. Et le prochain live de la jungle, et puis, Molo, il jouera à ça. Au pire, ce serait un gage. Celui qui perd, il doit jouer à ça. Et moi, je m'en trouve encore plus horrible, t'sais. D'ailleurs, prochain live de la jungle, les gars. Attends, je vous ai pas montré la pépite que j'ai trouvée today. Allez! Prochain live de la jungle, les gars, je suis très heureux de vous annoncer cette nouvelle. Mais à 92% sûr, Lulu sera parmi nous. J'ai
j'ai peur. Ok, attends. Qu'est-ce qu'elle a envoyé la petite scie? Je vais voir direct sur mon ordi. Discord. Il est génial cet ordi, j'ai 12 000 trucs ouverts en même temps, tout va bien. Vraiment, ça fait partie de mes meilleurs achats, ça. Alors, ma petite scie, elle a envoyé ça sur le serveur dans le général. Ah non, ça c'est GG. Tu peux l'envoyer ça en privé, si? T'as envoyé ça à quel endroit? Screenshot, peut-être? Non. Bah, si. Didi, partage de bullshit. Ok, j'y vais. Et c'est jamais un enfant seul. Mais toi si tu sais pas hein. Vous savez quoi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Fufty quand il était adolescent. C'était quand ma grande sœur allait voir les résultats de son bac. Et je crois que c'était la plus grande de mes deux sœurs. J'avais donc John, elle est de 87 et moi je suis de 93. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Donc ma mère accompagne ma soeur pour aller voir les résultats du bac. Donc les deux descendent de la voiture et me laissent tout seul dans cette auto. J'étais sur le siège de devant. Oh c'est la fin du jeu les gars. Et donc du coup je suis tout seul dans cette auto, une 206 orange à l'époque. Je regarde l'auto un peu, je me dis bon, vous savez quoi, j'ai fumé un peu pour vous raconter tout ça. Je regarde l'auto autour de moi, je me dis bon bah je me fais chier tu vois, ça faisait déjà 2 minutes 30 qu'elles étaient parties. Donc tu sais moi, hyper actif que je suis, enfin pas hyper actif, hyper nerveux que je suis, je cherche de quoi m'occuper. Je cherche. Et là hop, sur quoi se pose mon regard? Qu'y a-t-il? Juste là dans les anciennes voitures, parce que plus dans les nouvelles ils ont enlevé ça. Il y avait quelque chose avant entre les deux sièges, le siège conducteur et passager. Au niveau du frein à main, la plupart du temps, pas très loin de ça, il y a quelque chose. Il y a toujours ce quelque chose, mais ça a plus la même utilité maintenant. Je le tape pas pour ça. Je le coupe en deux. Du coup, je regarde et je fais oh, un allume-cigare. J'appuie sur cet allume-cigare. Cet allume-cigare patiente légèrement et fait. Bon, je saisis cet allume-cigare, donc j'ai maintenant un allume-cigare chaud dans la main. Je le prends par le côté plastique, je suis pas con à ce point. Et je me dis, est-ce que, si je le pose sur ce siège, ça le brûle? Je retourne l'allume-cigare, je le pose sur le siège, et, croyez-le ou non, ça ne brûle pas. Je me dis, ah bah il doit pas être chaud. J'appuie sur l'allume-cigare, quand il est sur le siège, et là, je vois de la fumée, je fais, oh non, ça m'air et tout. Un trou comme ça dans le siège, hyper net hein, vraiment, on voyait la mousse et tout bien comme il faut. Et en plus j'avais fait ça genre sur l'extrémité gauche du siège, donc côté conducteur du coup. Je me dis, frère, faut faire un truc. Du coup, j'ai passé tout le retour, les jambes gavées, écartées comme ça et tout, en mode narmiche. Et là je descends de la voiture, ma boum, elle me fait, c'est quoi ça? Je dis, bah je sais pas. Elle me dit, mais c'est marrant, c'est la même taille que la même chien. Voilà. Cool, ça fait un tatouage sur la peau. Ah non, moi je me suis rien fait. Hein. Moi je me suis absolument rien fait. Mais la 206. Et je suis rentré, bien évidemment, je me suis fait agar, comme on dit, par le daron. Dans tous les cas, je me faisais agar à peu près tous les soirs, même quand il n'y avait pas de raison. Donc c'était pas mal de trouver des raisons. Et quand je dis à peu près tous les soirs, c'est parce qu'il y a des soirs où mon père n'était pas là, bien sûr. Ok, alors la police. Ok. Même si la police a investi beaucoup d'énergie et de force professionnelle dans une enquête hyper profonde dans les événements bizarres qui ont eu lieu à l'hôpital, ils ont échoué à trouver une preuve, enfin une conclusion évidente. Ils ont pas trouvé de preuves, comment on dit, de preuves irréfutables ou d'explications convaincantes. Pour résultat, le XXX hôpital. Ok, ouais, c'est ça.
Ouais, en gros, l'hôpital il a été petit à petit laissé à l'abandon et c'est devenu comme ça quoi. Oh putain. Et ça, normalement, c'est le sang de la veine, mais. Voilà! C'était ça le mais. Mais il y a des fois où elles font leur grosse pute. T'es pas morte? Ah! En fait, quand je fais des jeux d'horreur comme ça, c'est pas, pas crier qu'il faudrait que je dise, c'est pas insulter. Même dans la vie en général, hein, c'est dur. Un axoloto? Tu mets. GG. Tu mets un ultra ball pour un axoloto? N'y a-t-il personne d'autre? N'y a-t-il personne d'autre? Celui qui a la ref. Oh oh. Celui qui a la ref de cette phrase là, n'y a-t-il personne d'autre? Comme ça là qui fait le show. Il gagne un sandwich à la fraise. Elles vont toutes me sauter dessus d'un coup, je le sens. Elles me veulent, mais moi je préfère. J'aime pas ce qui se passe, j'aime pas ce qui se passe. J'aime pas ce qui se passe. Ça va, comment ça s'appelle, Kim Bourlet? Toi, t'es toujours aussi bizarre. Oh! T'es en train de me foutre une feinte. Tu me mets une feinte, Kim Bourlet. Je vais être déçu. Bah, m'en fous, c'est juste que c'est un événement. Alors, on m'a dit, vaut mieux les attraper. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Kim Bourlet, je te fais confiance, hein. Je te trust à 100%, ma gueule. Barbara, Virginie. Oh. J'ai combien de gold? J'ai 60 gold. Ah ouais, après tu peux gagner l'habilité tout. Oh. Bah salut! Ça se. Deux pièces d'or? Ouais. J'espère que tu suces pour deux pièces d'or. Pardon, putain. Désolé pour ça. Ouais, donc là, qu'est-ce que je fais? Alors, tu t'amuses sur ce jeu? Je t'entendais crier en fond, ça fait plaisir. Non, en vrai, j'ai pas eu peur une seule fois, Sam. Ability and équipement. Slide shovel. Shift plus W plus C. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça te donne plus de vie, c'est bien, c'est quoi ça? Pistolet d'expansion. Habilité de jump, c'est bien l'habilité de jump. Et donc maintenant que je. Enfin, d'accord, mais genre là, si j'y retourne, c'est exactement le même jeu. J'arrive même pas te compter concombre. Putain. Surtout le premier, je rigole encore.
Bon bah vas-y, à la chasse aux concombres hein. C'est quoi, t'es gentil, t'es... Comment tu te situes toi sur l'échelle des concombres? Non, t'as pas l'air sympa. C'est concombre malfaisant, putain. C'est quoi, je vais aller aux pompes. Rien à foutre. Alors. Loin, dans la forêt noire des anciens temps, il y a un coin oublié où vivent tout type de créatures, incluant les démons pampans. Contrairement à ses congénères, Pampan a un cœur pur et gentil. Dans le clan des démons, la force et la férocité sont la route pour survivre, et Pampan, gentil et timide, semble être loin de sa place. Elle a peur de faire mal aux autres et ne veut pas voir aucun forme de violence, ce qui est vu comme un signe de faiblesse dans son groupe. Ok, c'est parti. Qui va là? Ça fait peur, c'est grand quand même. Enculé. C'est une blague. Déjà moi j'aimerais qu'on m'explique contre quoi je me bats. J'étais bien chié dessus. Merci les gars, merci beaucoup. Merci pour ce soutien. Si tu donnes à Pampan 2 pièces d'or, elle va danser pour toi. Ok, donc ok, donc les gars, elle ne suce pas pour 2 pièces d'or, mais elle danse, j'étais pas loin. Donc il faut quoi? Je vais donner 2 pièces à Pampan et vas-y, bon, vas-y les gars, on va soutenir Pampan. Toujours soutenir les potos quand ils commencent quelque chose, les gars. Je suis bien content quand il y a des gens sur mon stream. On va y filer 2 pièces d'or à Pampan. Pampan, salut, ça va Pampan? Ça te dérangerait de me faire une danse? Ah ouais. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Ok, ok, vas-y, fais un petit 3-6. Et vas-y Pampan, ouais. 1, 2, ouais, comme ça. C'est tout. Ça c'était 2 pièces d'or. Ça c'était... Calme-toi petit, calme-toi, tu vas faire une connerie. Je sais pas ce qu'il est fumé le gars là qui a créé le jeu, tu devais tester ça là. Ah ouais, des cornichons ça va, on avait des cornichons, l'autre qui danse pour 2 pièces d'or. Tout à l'heure il y avait... dans la pièce là, rappelle-toi, il y avait l'infirmière qui dansait pour des lapins, tu sais. Ce jeu n'a aucun sens hein. Y'a des cochons bouchés. J'ai pas du tout envie d'aller là. Genre, j'ai pas du tout. Oh là là, non. Espace restreint, ça fait peur, espace restreint! Du coup, on en parle que je me fais attaquer par des tableaux ou on reste sur le mec qui a créé ça, il est bizarre. Plus le temps passe, enfin non, le temps passe et Pampan réalise petit à petit qu'elle est totalement incompatible avec les valeurs de son groupe. Avec énormément de misunderstanding, putain, mésentente et d'ostracisme, elle a pris la difficile décision de partir. Comme une adulte, elle a choisi d'embarquer, elle a choisi de commencer son voyage seule. Et sans derrière elle la société qu'elle a trahi, qu'elle a essayé d'intégrer, mais to end beginning, la fin je l'ai pas, Life of Wandering je l'ai pas exactement, j'ai pas envie de chercher là, j'ai surtout envie de shooter des cornichons et des cerfs qui marchent. Oh putain de merde. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as l'air trop normal pour être ici toi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas en fait, c'est quoi ton problème à toi? J'ai peur.
J'ai peur, je l'ai perdu de vue, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment un fils de pute. Putain, y'a encore un cornichon. Mais qu'est-ce que t'es, toi? Ah, il s'appelle Kun Kun. Ah, c'est lui, Kun Kun. Ok. Là, je suis dans le jardin. Je suis dans le jardin de Kun Kun. Bon, pourquoi pas. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Oh putain, carton jaune, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai... Oh putain, GG. Et pour GG, allez, allez. Mais oui, non, mais ils sont tous drôles, mais je sais qu'après ils sautent dessus. GG qui vient de passer, aujourd'hui, à l'instant même, les 500 heures de vue. Enfin, il y a 38 minutes, mais là, c'est l'instant même, quoi. Ok, le tableau, vas-y, viens. Attends, maintenant il leur faut 42 balles hein, pour crever. Hein, Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit encore? Mais qu'est-ce qui me fait peur là? Y'a rien qui me fait peur, y'a rien qui me fait peur, y'a rien qui me fait peur. Écoute-moi bien, Kun Kun. Je vais manger tellement fort tes ancêtres. Viens ici, Kun Kun, on va. Eh, viens ici, Kun Kun, on a des trucs à régler, toi et moi. Viens, Kun Kun, viens, Kun Kun. Kun, t'es en train de danser? Bah, Kun Kun, t'as disparu? Eh, mais il a vraiment aucun sens ce jeu. Ah non, ça c'était Pampan, hein? Ah oui, non, mais Pampan c'est l'autre connasse. Si tu peux. Si tu peux pas trouver la nourriture qu'elle veut. Ah. Ok, bah faut que je retourne voir Pampan. Faut que je paye Pampan pour toutes ses danses. Non, attends, d'abord je vais fouiller toute la ville parce que attends, moi je me fais pas enculer par Pampan non plus. À un moment je veux bien, mais. GG à GG. Et pour GG, GG, allez, allez. Salut. Frère, t'es un tableau. Ta mère la Joconde, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu veux? Je te piétine carrément, une fois que t'es mort. Oh là. Bonjour. Là y'en a un, tu peux pas peur toi hein. Si en fait tu en vrai. Ah mais non mais t'es. Ah mais tout ça pour faire chier toi, bah fais chier vas-y. Il est bruyant, il est bruyant. Oui, c'est vrai que j'ai l'habilité du jump maintenant moi. Ouais.
sais comment on saute, hein. Pas peur de le dire, hein. Bon, ça sert pas à grand chose, mais... J'ai pas peur. Ça s'agirait de viser avec le pompe. Là ça fait 7D, ah ouais. Et vous voyez les gars, on voyage tous ensemble, on joue à 42 jeux alors qu'en fait il y en a qu'un seul, ça c'est de l'investissement, putain, 7€, 7€ de Chucksy sur Steam les gars. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Vraiment une régalade à temps plein quoi, je me suis rarement autant... Puis visuellement c'est beau, l'ambiance est sympa... Ouais ça vaut le détour, ça vaut le détour. Et l'autre qui gueule, ah ouais vraiment l'autre qui gueule il est vraiment juste là pour gueuler quoi, il a pas d'autre... Ok donc là j'ai fouillé ça, faut que j'aille... Ah oh. J'allais par là. On va aller faire l'autre qui gueule. Mais attends mais je sais sauter donc je peux faire ça. Oh les gars j'arrive à passer au dessus d'un muret. Belle trouvaille. Ah ouais, moi je suis très content, j'avoue. Oh putain, c'est cool ça. Comment il s'appelait, putain, les gars. S'il y en a un qui a la rêve, vraiment vous êtes mes héros. Ça vous parle pas un dessin animé où c'était un espèce d'enfant asiatique tout petit qui faisait que de la merde dans le générique, qui montrait son cul et tout. Attends mais là je viens de trouver un œuf de Kunkun là carrément. Y'a plus rien qui va carrément. Ok. Même si elle se sentait seule, Pampan n'a jamais regretté ses choix. Elle a toujours l'espoir qu'un jour, elle trouvera un endroit où elle pourra être acceptée à sa vraie valeur. Une maison où elle sera aimée et respectée sans avoir à changer la personne qu'elle est. En attendant, elle va continuer son voyage en utilisant sa gentillesse et sa force de soigner les gens. Sa force pour soigner les gens qui la rencontrent. Pour prouver que même un démon peut avoir le pouvoir de changer le monde. Putain mais... En plus c'est... C'est beau quoi. Ouais alors c'est beau. Si on prend pas le temps de regarder les plantes mais... Wow, mais moi je peux aller dans la forêt, non. On va peut-être pas aller jusque là quand même. Et en vrai, ouais, le short que j'avais vu de ce jeu, du coup, c'est juste, tu sais, la salle du tout début là, avec tous les mannequins avec les draps blancs sur eux là. Bah, c'était cette salle là, et j'ai vu en fait, genre, c'est le truc du gun, moi, qui m'a fait kiffer. Tu sais, il était comme ça, il se tapait des petits trucs comme ça, tu vois. J'ai fait, ah ouais, c'est bien ça. Parce que je crois pas avoir déjà vu un jeu d'horreur qui utilise ce mécanisme là. En plus, il est fait avec Unreal Engine 5. C'est vraiment pas mal en vrai. Des graphismes sympas. Oh putain, ah ouais, tu veux le jeu comme ça? Eh oh! Quoi cette biche de compète là? Ça s'habille n'importe comment. Aucune idée pour le dessin animé, putain, mais je l'ai pas. Je l'ai plus. C'était un nom hyper long, je crois, ou pas très long en fait, je sais plus. Mais Oh putain, c'est cool ça, non? Ok, là y'a un concombre et ça c'est pas Kunkun, tout va bien. Là il y a une maison, vas-y d'abord on va se faire le jardin. Après on ira fouiller la maison.
qu'on sera en sécurité. Ah, j'ai plus de balles de gun, ok. Mais attends, mais là il y a un neuf là. Je suis sûr que le concombre c'est un pote du développeur ou quoi, ou un mec qui connaît, t'sais. C'est sûr. Moi j'aurais fait un jeu, j'aurais fait ça direct. Mais déjà dans mon fan game Pokémon carrément, il y avait le prénom de toutes les darons de tous mes collègues. Bon du coup on va aller fouiller ça parce que ça normalement on aurait dû le trouver bien avant je pense. On continue notre petit tour. Et ouais. Oh. Koun Koun, le fils de pute, il était caché derrière la porte. C'est une blague, Koun Koun. Je suis à quel endroit là, moi? Ok. C'était un nom hyper long ou pas? Je crois que c'était un petit ou grand, je sais plus. Il était super gentil ou alors c'était un méchant, je me rappelle plus. Faf l'explicateur. Non mais il était tout petit et il montrait, en fait il montrait son cul tout le temps, c'est vraiment ça, c'est le truc reconnaissable. Et moi ça me faisait beaucoup rire parce que quand j'étais petit je montrais mon cul aussi tout le temps. Ouais j'étais vraiment vraiment fallait, enfin je... T'es bloqué par la porte? Oh là là, j'ai envie de me chialer dessus de rire carrément. Vas-y Koun Koun, vas-y Koun Koun, danse pour moi, ouais danse pour moi, tu danses pour qui? Tu danses pour moi, ouais ouais, c'est trop tout ce que tu fais, allez on y va. Ah oui d'accord, on veut la porte ouais. Alors c'est bien le pompe, hein, mais niveau rechargement, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, il faut que je ramasse des munitions pour mon gun. Oh, j'ai trouvé un pied de poulet, un démon ça mange des pieds de poulet, bah évidemment, ok, ça c'est la bouffe, Pampan ça. Pampan a un gros appétit. Mais c'est pas à cause de la gourmandise. Mais c'est parce qu'elle a une habilité spéciale. Avec la nourriture, elle purifie les énergies négatives de la pensée. It's time, c'était cassé à the world. Ok. 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 En fait ça lui calme l'esprit quand elle bouffe. Ouais bah c'est pas un démon, c'est une meuf tout à fait lambda non? Ta meuf elle fait chier Burger King. Ta meuf elle fait chier kebab. Ta meuf elle fait chier. Ah mais le petit déj le matin, je sais pas. Ah les gars, c'est aussi simple que ça. Ton mec il te fait chier, laisse-le devant l'ordi. Pas compliqué. C'est Puka, petit et des habits rouges. Non. Non, 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 non. Non, c'est plus, je pense que ça commence vraiment par un S. Hein. Plus. Et c'est peut-être même en deux mots avec Chan à la fin à tout moment. Allez, vas-y, fais-moi une autre choré, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Vas-y, ouais, Pampan. Ouais, 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 t'es trop pas un démon. Pampan, t'es trop gentil. Pampan, t'es trop gentil. Tu veux sauver le monde? Avec ta gentillesse. Yes. Je t'en donne de gold.
Bon allez, nouvelle Corée, c'est un arbre dans la tempête. C'est un quoi dans la quoi. C'est un arbre dans la tempête. Bon, on m'a conseillé de regarder toutes tes Corées, bon pour donc en vrai je m'en bats les couilles hein. Ah mais attends, mais peut-être qu'il faut que je lui... Ouah, ah ouais, c'est beau. Putain, c'est... Ouah, ouais. Ah ouais. Putain. Beau gosse, hein. Et j'ai fait 8 ans de GRS, je suis impressionné. Hein. Peut-être qu'il faut que je lui cuisine, non. Vas-y, refais-moi une corée, Pampa. Ok, ok, ah ouais. Ça, c'est le basketteur, ça, je reconnais. Ok, ok. Ouais, ouais. Ok, ça c'est la mi-vague. Ok, 36. Non, c'est le basketteur toujours. Hein. Hi, hi. Coucou. Bah voilà. Tu veux bouffer mes œufs? Pardon. Excuse-moi, pour... J'ai dérapé. Je me mets là. Tu peux les bouffer quand même si tu veux. pourquoi tu bouffes pas mes œufs, Pampan? Ah mais y'a mes œufs et ma pâte de poulet en plus. Ah mais y'a que 2 œufs. Putain, il me manque un œuf de coude, j'en avais 3 tout à l'heure. Peut-être celui où je suis mort. Il était par là je crois le dernier. On avait juste la barrière à sauter, on le chopait je crois, non? C'est là où il y avait le concombre géant, ouais c'est ça. Bah non, j'en ai trouvé que 2 quoi qu'il arrive. Non? Alors? Ça c'est le cocoon egg 1. Est-ce qu'on a un cocoon egg 2 quelque part? Shinchan, exactement! Exactement, Shinchan, exactement. C'était pas si long que ça, mais ça finissait par Chan et ça commençait par un S. Putain, j'étais bon quand même. Hein. Exactement, putain! Ça vraiment, ça n'avait aucun sens. Débile au possible. Petit grosse tête et t-shirt rouge, short jaune, exactement c'est ça. Et dans le générique, il monte son cul. Bon, alors là, j'ai déjà tout fouillé du coup. Attends, non, peut-être qu'il y a un étage ici aussi. Elle veut quoi? Elle veut manger de l'eau de Javel? Elle veut du milk? Je suis monté là-haut. Monter là. Crier victoire un peu trop vite les gars. Un peu peur hein. Donc là c'est le message qui me dit qu'elle aime bien la bouffe parce que la bouffe ça la calme. J'ai réussi à trouver... Ah non mais c'est très très bon. Je te dois un sandwich à la fraise du coup GG. Si tu passes au magasin je te paye une baguette et une barquette de fraises et tu fais ton sandwich à la fraise. Même je te le fais si tu veux, avec du beurre. Faut plus d'ingrédients. N'hésitez pas à me retrouver hein, pour plus de recettes de cuisine évidemment. Bon, Pampan, je t'ai donné à manger. J'ai l'œuf rose et l'œuf. Ah. Ok. Je crois que dans chaque maison il y a une pâte de poulet. Donc on a fait la maison tout au fond. On passe la maison là et on fait la maison là-bas après.
Ah bah oui. Putain les gars, mais on va peut-être réussir à le finir, ça fait combien de temps qu'on est dessus là? Parce que vraiment je m'amuse, 2h16, ok génial. En vrai je vois pas le temps passer, c'est rigolo. Pas ce que vous en pensez hein, mais... Enfin GG si toi je sais ce que t'en penses, mais les autres écoutez, bah on est que... vous êtes que deux dans tous les cas, voilà, donc c'est GG ça. Bah voilà, on est entre nous. Quelqu'un voit une patte de poulet là? Ouais non, ça c'était la maison où j'étais déjà venu, ça c'est le truc, ouais. La boîte de poulet elle était là, c'est sûr. Bah non, c'est une machine à laver. Non, là c'est ouais, non, je suis déjà venu tout à l'heure. Mais dans la cuisine. Et la pâte de poulet. Putain les gars. Ok les gars, ok les gars. On a la graillance pour Pampan. Putain là ça clignote en plus vu qu'on a les trois pieds alors qu'avant ça clignotait. Ça clignotait avant, je sais plus. Pampan, j'ai de la bouffe pour toi ma couillasse. Régale toi. Oh, quelque part une porte s'est ouverte. Ah bah là par exemple. Je t'oublierai jamais Pampan, la tête de ham, la tête de ham, je t'oublierai jamais. Recharger ce fils de pute aussi. Je vois pas ça mais je vois Xano. Allez, c'est No qui nous lâche son meilleur lurk en fait. Putain mais ça c'est bon, c'est les copains ça. J'ai 79 pièces. Faut que j'en fasse quelque chose. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je t'ai filé déjà beaucoup trop de pièces. Shotgun damage 5. On va voir si on toujours va faire autant de Mario lui. Hi, hi. Salut, ça va? Coucou, ouais ouais. C'est ma gossure. Hein. On va essayer de choper tout plein de munitions, tout plein de trucs, on va attendre un peu. Je... Ah ouais. La 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 la. Ça vraiment là, ça, le Superman. J'aime bien savoir ce que c'est. Ok, on y va. On est bien chargé des deux côtés. On est rechargé des deux côtés. Voilà ta que tu faisais peur à qui toi. De Samacrash, elle vient de se reconnecter à Wantuman. Tu veux quoi toi? Tu fais peur à personne gros. Qu'est-ce que tu veux toi, toi tu fais peur, toi tu fais peur. Non lol, j'étais en call. Ah ok man.
écoutez. Ah mais je sais ce qu'il faut que je fasse. Hi hi. Salut. J'ai une idée. Ça va mettre du temps. Écoutez, quand on a pas le choix, on a pas le choix. Je peux pas ressortir, on est d'accord. Ah bah si. Ah bah voilà. Attendez, on va aller fouiller un peu, on va aller choper des munitions. Parce que l'autre il fait le beau parce qu'on est pas armé là, clairement, hein. On le sait tous, hein. Lui comme nous. Hein. Tiens, ma sombre couillasse, on va en discuter tous les deux. J'ai cherché des balles. Des ballerines ou des trous de balles. C'est rigolo. Moi j'ai l'impression que tu vas y passer du temps. Non, 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 du tout. Regarde, GG. Parce que si tu regardes quand je le shoot, il recule, tu sais. En vrai, j'ai juste à avoir des balles. Je le mitraille au gun et c'est bon. Là j'ai un peu plus de 3 chargeurs de gun. Plus celui qui est déjà chargé d'ailleurs. C'est quelle maison que j'ai pas été faire? Celle là-bas je dirais. Celle d'où je viens. C'est vrai qu'en pouvant sauter par contre c'est vachement bien. Ça rajoute une petite dimension, là on court plus vite et tout en plus. Enfin, quand tu rafales. Ouais c'est ça. Oh c'est ça, je vais le rafaler hein, lui et sa go hein, de toute façon on bat les couilles hein. Essayer de me choper une centaine de balles au pire. Comme ça j'arrive d'abord, je lui mets mes 9 balles de fusil à pompe. Dès qu'il a pris ses 9 balles de fusil à pompe, gré. Je passe au gun et gré. Ah. Ça c'était le pompe et le suivi du gun. Juste niveau or, il donne pas de fou pour la fin, c'est vrai. C'est peut-être pour que tu te démerdes du coup, je me dis juste avant. Salut Pampan. Wouh, hey, c'est moi. Voilà. Excusez-moi vraiment, Pampan, c'est le sang de la veine quoi, la pauvre. Regarde là, elle est trop gentille pour le monde extérieur. Oh Pampan. Oh bah oui, c'est moi Pampan ça. Allez. Ah, c'est un démon, elle bouffe des pattes de poulet, elle peut bien manger des coups de fusil à pompe dans la race aussi, de temps en temps quoi, faut pas déconner. Ah non, on a dit d'abord shotgun. Par contre je suis vraiment trop con hein. Si vous regardez dans les 4 coins de la pièce, il y a des munitions. Là c'est peut-être une meuf bien, mais on peut faire les chouins, chouins, chouins. Vrai ou faux, sain, sain, sain. Chouin, chouin, chouin. Et chut, ta mère, un coup elle me défaite. Oh attends, 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 mais non. Mais non. Non. J'ai eu un succès, tuer le boss de fin.
Ah, oh, j'ai envie de me foutre en l'air. Pas vraiment. C'est bon, tranquille, hein, les gars, n'envoyez pas les secours. Hein. Aïe, eh oh! Tout bâtard. Bon, t'as pas arrivé à un moment, c'est sûr. Grosse pute là. Aucun problème, on est zen et détendu nous. Ça fait péter les plans à quelqu'un ça? Pas peuvent-tu? Non. Il en faut plus. En fait, il faut capter quand il veut attaquer. Il faut lui tirer dans la tête à nique ta mère à ce moment-là. Non, t'inquiète, dès que je vais avoir des balles, ça ira mieux. Des grosses couilles, ouais. Ouais, bah voilà, je vais porter mes couilles, hein. Putain de merde. Tu veux faire quoi, vider un comté là? Il était devant elle. Arrête avec ton pompe, t'es trop près de lui, c'est vrai. Je vais rester avec mon pompe, mais loin de lui, t'as raison, GG. Et tu vois, j'étais pas cohérent dans tes propos aussi, ouais. Ça met des cartons jaunes quand je tire aux pompes de trop loin. Mais là, je suis trop près, enfin, tu vois. Faudrait peut-être avoir une ligne directrice à un moment, GG, parce que moi, je peux plus suivre. Même avec la meilleure volonté. Mais j'ai pas de balle dans le pompe, nickel. Arrête. En fait, il faudrait même pas qu'il mette le coup. Wow, c'est ça. Ouais. Vas-y, envoie ta go.
fait entre 10 mètres et 150 mètres. Ouais, mais moi j'ai aucune limite. C'est... Oh, un Lipoutou. Le gros poutou du Lipoutou. Ah ouais, ça a même pas compté le rechargement. Arrête! Non. Petit à petit, ça va venir, ça va venir. Et toi, je t'en supplie, reste rechargé, non? Pompon, ça va pas du tout, s'il te plaît, je t'en supplie, Pompon, fais-moi une petite danse. Ah, même toi, tu veux même plus faire de danse. Putain. Qu'est-ce qui nous arrive, Pompon, t'as changé. Putain. T'es devenu toxique, Pompon, pervers narcissique. Genre tu prends un chargeur et tu même pas tu bronches. J'ai peur. Ok, c'est bon, on bat les couilles. Attends qu'il veut attaquer et bouger, tire. Ouais, bah ouais, ouais, c'est exactement ça, je suis trop pressé. On va se mettre en mode bah, boss de fin parce que c'est un peu là où on est quoi en fait. Bah ouais. Bah ouais, on est d'accord. J'avais sorti le pont parce que je savais qu'elle allait arriver, cette pute! Bah. Bah, excusez-moi. Bah, j'ai ragé fort là. Bah alors? Bah, fafti. Bon, ça arrive pas souvent, les gars.
franchement vous êtes tous témoins, mais allez, je réessaye encore une fois. Et avant d'avoir envie de foutre en l'air mon ordinateur, j'irai jouer à Call of, je pense, pour passer ma haine. Ou Sam, Fofo. Sam, Samantella. Ce bâtard, il faut aucune limite là. Je suis en train de craquer, Sam. Putain, j'ai pas rechargé mon gun, j'ai envie de m'enculer, j'ai envie de m'enculer. Arrête de tourner quand tu mets des coups d'épée, normalement tu tournes pas quand tu mets des coups d'épée, c'est ta daronne qui tourne cette piste de pute. Je peux pas, je monte sur un enculé. Mais attends, mais tu chasses pour les loups, mais Sam mais Sam bah je m'en bats les couilles. Mais vas-y, je vais sur Call of du coup. Voilà Sam, dis-lui enculé. Bah ouais, non mais attends, faut le dire, il y a un moment, il faut... Putain de merde. Bon alors écoutez, un avis honnête, j'ai adoré ce jeu. J'aime pas du tout le boss de fin. Et j'aurais pas du tout fait... J'ai fait n'importe quoi avec mon oseille. Là à la fin, là j'aurais dû acheter le truc pour faire que j'avais 32 balles dans mon gun et puis on était bien quoi. Dommage. Peut-être qu'un jour on y rejouera.